all the years that I've wasted. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager une recette super délicieuse qu'on peut manger toute la famille et bien savourer. Alors, la recette aujourd'hui, c'est le pâte aux pommes de terre mélangée avec la viande hachée. Les goûts de ça. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par mes ingrédients. Je vais prendre le poivron de couleur. Je vais tout simplement couper. Je vais couper l'oignon et je vous laisse regarder. Voilà, là je suis en train de pilcher mon pomme de terre. Alors moi je vais juste mettre 3, mais tout dépendra de la quantité que vous voulez cuisiner. Alors, je vais juste pilcher et ensuite je vais couper en petits morceaux. Dans ma poêle, je vais mettre l'huile, pas beaucoup, juste un peu. Je vais faire revenir les oignons et la viande hachée. Tout d'abord, je vais juste aller rincer ma viande et ensuite, on va le faire revenir avec les oignons et puis le poivron qu'on avait coupé. Pendant que je suis en train de faire revenir mes oignons, je vais juste mettre de l'eau dans une casserole. Je vais juste aller bouillir avant de mettre le pâte.
Ensuite, je vais juste rajouter un peu de sel et après, je vais juste aller mettre ma viande hachée dans la poêle. Voilà, là je vais rajouter les poivrons qu'on avait coupés ensemble. Ensuite, je vais rajouter aussi les poireaux et un peu de ciboulette et je vais faire revenir ensemble. Pour épices, je vais mettre une cuillère de l'ail, le mélange des épices italiennes que j'aime bien, un peu de bouillon de poulet, un peu du sel, juste un peu, et herbes de province aussi, j'aime bien. Et ensuite, je vais mélanger les tout. Voilà, donc je vais tout mélanger et je vais laisser cuire pour un maximum de 10 minutes avant de rajouter la sauce tomate. Smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay? Là, c'est ma sauce tomate que je viens d'ouvrir de la marque Unico. J'aime beaucoup la marque Unico pour tout ce qui est pâte, sauce de tomate, tomate, j'aime bien. Voilà, là je mets mes pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux. Je vais juste mélanger tout doucement. Je vais faire revenir juste pour 2 à 3 minutes. Et ensuite, je vais juste aller mettre la sauce qu'on vient d'ouvrir. Vraiment. Je ne voulais pas montrer de près, je suis désolée, mais c'est une sauce qui est mélangée avec des herbes. Et j'aime beaucoup. Là, je mélangeais comme ça. Et ensuite, je vais laisser cuire à un feu doux, juste question de laisser les patates devenir un peu mou. Donc, à ce stade-ci, il ne faut pas beaucoup cuire ça, parce qu'on va le mélanger avec le pâte et on va cuire tout ensemble. Donc, un maximum de 5 minutes, 5-6 minutes, c'est déjà bon. Et ensuite, on peut mélanger avec le pâte. Alors, ce que j'ai rajouté, c'est juste le persil en poudre et aussi le fenouil laurier. Voilà. Donc là, je mélange le tout. Comme je vous ai dit, on va pas vraiment les cuire totalement à ce stade. Donc, du coup, on va les cuire pour 5 à 6 minutes et après, on va mélanger avec le pâte. Là, voilà, de l'eau est prêt. Je mets le pâte. Je laisse mes pâtes cuire pendant 10 minutes. Là, je couvre. Voilà, les pâtes sont cuites. Là, du coup, c'est le moment de tout mélanger ensemble. Et là, je suis satisfait. Regardez-moi ça. Voilà, là, on mélange le tout. Et ensuite, on va bien mélanger les deux ensemble. Et on va laisser cuire à un feu super doux, je dirais entre 3 et 4. Vraiment, 3, c'est préférable. Juste question de laisser le tout de bien se mélanger et permettre aussi aux pommes de terre de bien cuire. Donc voilà, vraiment simple, mais rien de compliqué. Alors là, on rajoute les légumes. Le légume, on peut même rajouter le champignon. Je me rappelle quand je partageais cette recette il y a un mois sur Instagram, je l'avais réalisée avec le champignon. Mais cette fois-ci, j'ai opté pour le mélange de légumes. Là, je viens de rajouter les bouillons de poulet.
Le bouillon du poulet, moi, je l'achète chez Costco dans un grand paquet. Voilà. Là, j'ai tout mélangé et je vais juste couvrir. Je vais laisser cuire à un feu super doux. Je dirais 3, c'est l'idéal. Juste question de permettre aux pommes de terre de bien cuire et de bien se mélanger avec le reste. Voilà, c'est bien cuit, c'est délicieux, yummy, yummy, yummy. Là, on la cuit juste pour 10 minutes et là, c'est vraiment prêt. Je vais servir, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, yummy, yummy. Moi, j'avais rajouté un peu de fromage et c'était juste merveilleux. Trop, trop délicieux. Tout autour, c'est du persil que je vais rajouter. On peut aussi rajouter un peu du poivre. Oh, aïe, aïe. Là, on va passer à la recette de gâteau au beurre. Aïe, aïe, aïe. Et aux noix de coco. Alors, pour la recette, on aura besoin du sucre vanille, 3 œufs, huile de coco, voilà, et aussi la levure chimique. Voilà, on va commencer. Je vais casser 3 œufs et ensuite, je vais juste aller fondre le beurre et l'huile de coco aussi dans le micro-ondes parce qu'on aura besoin de ça. Pour le beurre, j'en ai utilisé à peu près 250 grammes de beurre parce que le gâteau c'est vraiment au beurre. Franchement, il faudra mettre beaucoup de beurre pour avoir vraiment ses bons goûts. Et j'ai décidé aussi de rajouter à peu près 120 grammes de l'huile de coco juste pour avoir ses goûts aussi. Donc le mélange de deux c'est vraiment délicieux. Là, le beurre est bien fondu. Je vais rajouter, voilà. Et aussi, je vais rajouter le beurre et l'huile de coco, pardon. Je vais rajouter et ensuite, je vais fouetter pendant 3 à 5 minutes et vous allez voir la suite. Là, je vais rajouter le sucre. Le sucre, ça va dépendre de vous. Nous sommes tous différents. Il y a des gens qui aiment plus le sucre. Il y en a qui aiment moins le sucre. Ça va vraiment dépendre de vous. Voilà, j'ai mis le sucre et ensuite, je vais fouetter encore pour 3 à 5 minutes. Just loving this moment. Can we stay here forever? Dans le tamis, je vais rajouter 2 cuillères de 250 ml de farine et je vais rajouter 2 cuillères à café de levure chimique. Et ensuite, on va rajouter un peu du sel, juste un peu, voilà. On va rajouter une cuillère aussi. Et on va juste aller mettre la farine, mélanger la farine et les ingrédients qu'on avait réalisés avant. Et après, on va rajouter un peu de sucre vanille. You don't know I'm looking with you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up when I. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we... Alors, 5 minutes plus tard, je vais rajouter du lait tiède
très important. Et ensuite, je vais encore aller battre pour 5 minutes. Donc, le grand secret pour avoir un gâteau vraiment moelleux, c'est de pouvoir bien mixer. Mixer pendant longtemps, ça va rendre le gâteau vraiment moelleux. C'est très, très important. Là, je vais bien, bien mélanger. Pendant ce temps, mon four est en train de préchauffer. Je préchauffe toujours mon four pendant 15 minutes. Et là, je viens de transférer dans le moule de gâteau. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai ça en barre d'information. Et je vais cuire ça à 325 degrés pendant 45 minutes. Mais tout dépend de la puissance de votre four. Donc vraiment, sentez-vous libre. Là, je vais placer, je vais attendre pour 45 minutes et je vais vous montrer les résultats. Alors, le gâteau est prêt. Regardez, Enoch est déjà excité de goûter. Vraiment, c'est très bon. Les enfants vont beaucoup aimer. Vous allez aussi aimer. C'est trop yummy, yummy. Voilà. Oh, ya. Le moule de gâteau là, il y a plusieurs d'entre vous qui me l'ont demandé sur Instagram. Alors, je vous laisserai le lien. Là, je vais juste aller en poudrer avec le sucre glacé. Trop délicieux. Là, il y a Enoch qui est pressé de couper. Il va couper, il va goûter et il va vous dire si c'est bon ou pas. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi vos pouces, vos commentaires, partagez avec les autres, pourquoi pas. Je vous fais des gros bisous. Suivez-moi sur Fashion Elegance M sur Instagram. Ça me fera énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous. Bye! C'est très bon! I love you, Nunu.